Bon, c'est bon, tout le monde est arrivé, tout le monde a pris son petit plaid. Non, parce que là, on va commencer. On va commencer d'ailleurs avec une démo, donc. Une démo d'un jeu dont j'ai oublié le synopsis que je vais voilà, me noter à l'instant dans le chat. Qui s'appelle Tatari The Arrival. Ça veut dire que nous allons faire le chapitre 1 de ce jeu qui n'est pas encore sorti, qui est prévu pour l'année prochaine, je crois, si je dis pas de conneries. Dans ce jeu, nous faisons quoi? Nous endossons le rôle d'un détective de Tokyo qui essaie de résoudre la mystérieuse disparition d'une jeune campeuse. Nous allons donc suivre ses traces à travers une affaire énigmatique et paranormale, bien sûr, parce que c'est pas drôle. Et cette activité paranormale sera liée à une légende urbaine japonaise. Donc, est-ce que nous arrivons à atteindre le dénouement de cette histoire? Forcément, aujourd'hui, nous ne le ferons pas parce que, comme je disais, nous n'avons accès qu'au chapitre 1. Mais voilà, les développeurs m'ont proposé de découvrir le chapitre 1 du jeu. D'où la collaboration commerciale en dessous. Moi, je me suis dit, oui, bon, c'est bientôt Halloween, alors allons-y. Voilà, hein. Donc, nous y voici, nous y voilà. Hein. Voilà. On est parti, let's go. Et Rosengoben, coucou à tous ceux qui arrivent. Bon, le son, du coup, vous me direz. J'ai baissé, j'ai essayé de régler. La lumière, c'est pareil. On va voir si on reste comme ça ou pas, comme je disais. Et puis, voilà. Par contre, les touches. Ce qui est cool, par contre, c'est qu'il est en français. Ça, c'est bien. Les touches, par contre, je sais pas trop ce que ça va donner. On va voir. Mon nouveau jeu. Allez, un peu de vaillance. Doublage, cette version démo est informatisée. Le produit final sera doublé par des comédiens professionnels. Vous pouvez activer ou désactiver le doublage à tout moment dans les paramètres. Ah. Ok, on verra. Fais pas sursauter. Je vais essayer, Sengoben. Je vais essayer. Non mais là, je vois rien avec les lunettes. Un écran tout noir avec moi. Tout noir. Noir plus noir, ça fait pas la lumière. Hein. C'est pas moins par moins, ça fait plus. Hein. Non, ça marche pas. What a Ah, la strange lumière. case. If I hadn't Ok. read it, I wouldn't believe it. Mais je n'en crois rien. These disappearance Ces affaires de cases are disparition so sont far pourtant si apart from each espacées. other. Each missing person Les has personnes nothing in disparues n'ont common rien with the en commun. previous. Is it a coincidence, S'agit-il d'une or is someone coïncidence ou y a-t-il responsible un for these seul et même acts? responsable? Est-ce qu'on peut baisser le son des voix? Je sais plus. Parce que vu que c'est en anglais. Ah non, il n'y a pas. Ah mais le doublage, ce serait pas ça du coup? Est-ce que ce serait pas ça? Bah non, enfin, je sais pas. Peut-être. On essaye? Parce que moi, vous faire la lecture, ça me dérange pas. Ça fait. Ça me dérange pas. Wow, la sensibilité de la souris. Oh, punaise de punaise. Alors, déjà. Ok, le QWERTY. Attends, mais je suis en quoi là? Attends, mais. Il y a toujours un truc qui me bloque. Je suis coincée par un pouf. Mais j'arrive pas à avancer. Genre, j'ai juste avancé par l'arrière. Ok, il y a un petit problème technique. Pourquoi il y a un problème technique? Parce que je suis bien réglée en AZERTY. Faut désactiver l'AZERTY. Ah, d'accord. Ok. En retour. En quoi là? Mais Sois ça poli, marche pas. bonjour. Bonjour. Mais ça marche pas. Je vais avancer comme ça tout du long. L'AZERTY ne fonctionne pas. Ouais, non, mais oui, je comprends. J'ai compris, mais je me dis pourquoi ça marche pas. C'est quand même bizarre. Je l'ai enlevé là. Et pour moi, je suis en AZERTY. Y a rien d'autre à régler, hein. Non. Sinon, peut-être le relancer. Bah, il faut appliquer sur appliquer. J'ai appliqué là, non? Enfin. Bien, hein. Moi, ça a mis sauvegarder, hein. Donc, moi, c'était OK, mais bon. Coucou Lizzie Kiwi, merci pour ton follow. Alors, retour. Ah, d'accord. Effectivement, fallait aussi appuyer sur appliquer, alors que ça avait sauvegardé après l'histoire d'Azerty. Hein. OK. Très bien. On accepte. Bon, par contre, trop sensible. Ça me plaît pas.
Donc, tu peux la régler tout pour commencer le plus tard possible. Exactement, c'est tout calculé, ça. Voilà, donc appliquer, je refais. Retour. Ah, c'est mieux déjà, c'est moins vomitif. Bon, c'est moi, il n'y a pas de son. J'ai baissé le son, parce que je suis quelqu'un de très vaillant. Non, parce que je m'étais basé sur le son de l'intro. Voilà. Sinon, on baisse les effets. Non, mais à tout moment, je vais me faire attaquer, là. J'aime pas ça. Vas-y, applique. Retour. Ah ouais, non, mais les effets, ok, on a entendu le clac-clac, là, des pas. Je suis désolée, je prends le temps de bien régler, mais bon, hein. On essaie de faire ça bien. C'est pas mal, là. Je crois pas qu'il y ait des sons hormis nos pas. Ce qui est en vrai très perturbant. Il y a pas de son du tout. Ça me perturbe de ouf. Hein. J'aime pas qu'on entende juste mes pas. Il y a pas de son. Mais genre, il y a un petit bruit d'ambiance, mais il y a rien du tout, en fait. C'est sympa, ouais. Après, c'est logique, on est dans un appartement, il n'y a que nous. Ouais, ça me perturbe déjà, ouais. Pas grave, vas-y, j'ai appliqué, j'ai fermé. Je suis censée enlever les lunettes qui font peur, ce qui est pas plus mal parce que je vais voir la lumière. Ce qui est cool. Hop, voilà. Bon, on va y arriver. Allez, c'est parti. On est à peu près réglé. Bon, je dois faire quoi, du coup? Vous aimiez la faire. Il est parti sans ses chaussures. Bah oui, team chaussette, ça c'est la base. Alors, donne-moi ça, là. Dire dans le côté, c'est compliqué. Hein. Donc là, on enquête sur Tony Oshi. Ok. Ah non. Aucun report, rien. C'est genre celui qui l'a déclaré disparu. Parce qu'on cherche visiblement quelqu'un qui s'appelle Rikia Yamaguchi, âge 26 ans. Ok, donc là, il y a un gérant d'un camping qui dit qu'il n'a pas retrouvé... Enfin, qu'en gros, il y a quelqu'un qui a laissé sa tente, celle du spot 23. Voilà. Ok, son sac de couchage, il était intact, donc visiblement, il n'a pas passé la nuit là. Bah oui, pourquoi ne pas aller dans les bois? Quelle bonne idée. Ce seraient les autres visiteurs du camping qui diraient ça. Et bien sûr, ils ont essayé de l'appeler et il ne répond pas. Pourquoi ? Parce que son téléphone est dans son sac qui est à sa tante. Et bien sûr, il y avait aussi ses chaussures. Voilà, à sa tante. Parce que team chaussette. Ça vient. Peut-être que c'est traduit, cela dit, je suis en train de me faire chier. Voilà. Ça m'arrive toujours dans les jeux d'horreur. C'est... bon, pas mal. Très bien. Alors, lâche ça. Range. Très bien. Bon, bah... Non, ça va, c'est cosy, hein, chez lui. C'est... On peut... Sac de couchage, tout ce qu'il faut pour le voyage dans le sac. D'accord, on va prendre le sac de couchage. C'est une bonne idée. Ah, tu veux un petit livre ? C'est les contes japonais. Ouais. Vas-y, prends-le. Enfin, quoi que l'on aurait peut-être pu le lire avant. Ça m'aurait peut-être anticipé sur le fait que ça appartient en cacahuète. Il y a des clés. Les clés de la voiture. C'est bien pour prendre la voiture aussi. Là, on peut partir plus vite et plus loin. Et on peut pas emmener un micro-ondes. Ça fait une arme. Tu vois, on lance un micro-ondes sur la... Peut-être t'as un truc méchant, tu vois. Ok. Oh, le miroir, comment il est bien fait. Le miroir est bien fait. Tu sens... on te voit pas, hein, mais... Je veux dire, tu sens qu'à tout moment, tu peux voir... Tu vois bien, tu vois s'il y a un truc derrière toi. C'est bien. Oui, bah, je prends toutes les armes possibles. Hein. Le micro-ondes, voilà, tout est possible. On peut prendre la petite fleur. Mais elle n'a rien demandé, bichette. Le micro-ondes aussi, me direz-vous, mais... J'ai pas l'air d'avoir l'interaction avec ça. Tu es un fantôme, peut-être. C'est peut-être ça, en fait, l'histoire. Je suis un détective mort. J'ai encore des aquifères à récupérer avant de quitter la maison. Ah, qu'est-ce que tu veux? Là, tu vois, il veut prendre le micro-ondes. Non, vraiment, je voulais prendre le café, mais... La carte de cuisine.
Il n'y a rien dans le placard de cuisine. Tu veux que j'ouvre le placard? Ah, il y a une lampe. Ça peut être bien, une lampe, c'est vrai. Je n'y ai pas pensé, alors que c'était un jeu d'horreur. C'est bon, j'ai assez de trucs. On peut y aller. Qu'est-ce que j'ai pas pris? La télécommande. Le... Ah bah, le dossier. Non, je peux pas le prendre. Ah ouais, moi, je vais enquêter sur un truc et je prends pas le dossier. Ah, le portable. Bien vu. Voilà, c'est une tracasse. Il s'est produit 3 autres événements semblables au même camp. Une lycéenne. Un homme et une randonneuse d'âge mûr. Rien en commun. Le seul individu qui revient dans toutes ces histoires, c'est le gérant du camp. Il a un alibi pour chaque disparition. Rien ne le lie aux affaires. Je peux emmener des donuts aussi. Sympa, quoi. C'est tout ce que... J'ai tout ce que je voulais, c'est d'en partir. Est-ce que vous préférez, du coup, avec les sons de la voix ou pas? Enfin, les sons de la voix. Oh, enfin, bref, vous avez compris, quoi. La voix robotisée ou pas? Parce que je pouvais pas en régler le son. Et elle était forte, mais j'ai peur que baisser le son global, du coup, ça baisse trop tous les autres sons. Ok. Je vais peut-être monter un peu le son, j'entends pas grand-chose. Ce que je veux juste savoir, c'est est-ce que les bruits des arbres, là, c'est lié à ça? Oui. Ok. Alors, au pire, ce qu'on peut faire, c'est laisser ça à 50, mais augmenter ça, du coup. Bon, mais à 75. Parce que c'est mieux. Je pense que c'est pas mal. Faut pas trop fort, après, tu sais, s'il y a un screamer. Ça va, bien, c'est le début du jeu. On peut pas nous attaquer tout de suite, hein. Pour l'instant, on enquête. Alors, par contre, on est où, là? J'ai rien à faire, là. Bah, pourquoi pas? Si je veux aller dans le ruisseau, j'ai le droit. Hein. J'ai le droit. Je devrais sortir mes sacs de la voiture. C'est vrai. C'est pertinent. Je crois que je peux pas courir. Ça, c'est pas drôle. Voilà. C'est important de courir dans les boudoirs. Mon sac à dos. On va vraiment. Enfin, non, mais vraiment. Du coup, pour enquêter, on se dit tiens, et si. Tu fouilles la voiture d'un autre? Et si nous aussi on allait camper? Tiens, dans ce camping de malheur, où il y a déjà 4 personnes qui ont disparu. Oh oui, 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 c'est une bonne idée, ça, dis donc. Hein? Je sais pas où je dois m'installer. Je sais pas, c'est une forêt, tu vois. Logique de film d'horreur. Non, mais je te jure quand même, c'est un truc de ouf. Tableau d'affichage. Je tiens à dire quand même que la personne sur qui on a souligné du coup le fait que Rikia Yamaguchi, qui a donc disparu, maintenant il réside d'ailleurs à Akio Matsumoto, si on n'est pas au courant, enfin bref, était à l'emplacement 23. Petite référence au film Le Nombre 23. Bref, voilà. Sinon les autres apparemment ils sont pas encore morts ou disparus. Pas mal. Hein, voilà, c'est cool. Bonjour! Il y a un petit cœur sur la sonnette. Le détail. Je crois qu'il n'y a personne. Bah, c'est génial. La porte est verrouillée. Où est le gérant? Je sais pas, moi, il était parti faire pipi. C'est de là que je viens. Oui, bah... William, oui. Je le cherche, tu me dis, je sais pas où me mettre. Alors moi, je te cherche le gérant, tu vois. Que j'aille par là? Non. J'aille par là. Donc, je peux rentrer chez moi, sinon c'est une bonne idée. Peut-être que maintenant il va se dire bon ben je vais y aller vu qu'il n'y a pas le gérant. Bah oui, le gérant il est pas là parce qu'il est en train d'enterrer ses cadavres. Oh mais t'es relou, je sais pas où m'installer.
tes buts quand t'enquêtes d'aller sur les lieux du crime. Oui, d'y aller, pas d'y rester. Je veux rentrer. Sinon, je prends ça et je me débrouille. Le nom de Rikia Yamaguchi de l'emplacement 23 est barré. C'est Akio Matsumoto qui est maintenant à l'emplacement 23. Super, c'est moi. Ah ! Fallait me dire que c'était moi. Super. Allons à l'emplacement 23. Ça va peut-être m'aider à comprendre plus rapidement. Oui, mais oui, ça va t'aider à comprendre, ouais. C'est sûr. C'est sûr, même. Je n'ai aucun doute là-dessus. Tu vas tout à fait comprendre ce qui va t'arriver. Serait-ce cet endroit? Non. Serait-ce par ici? Pas du tout. Bon, je suis la lumière. Je te dis, c'est pas plus mal, hein, ça a l'air sympa là-haut. Bon décès, hein. Ouais, ouais. Ça va être cool. Là-bas, il y a une tente. Mais par contre, je peux vraiment pas courir. Non, parce que c'est important de savoir courir dans les jeux d'horreur. Bon, là-bas, c'est 21-22 et nous, on a 23-24. Ok. Là, c'est le 24. Heureusement, nous, faut qu'on s'enfonce bien dans les profondeurs de la marine. Ouais, de la marine. Je pense qu'il y a un petit plat, mais... Ah ouais, nous, il est tout en haut. Il se fait tard, je devrais ramasser du bois à brûler avant qu'il ne fasse trop sombre. Oui, c'est vrai. Tu veux qu'on ramasse de la bûche? Non. Bois brûlé, ça devrait suffire pour la nuit. Très bien. C'est bien, mis de la lumière. Utilisez. Hop. Utilisez. Utilisez. Fox, c'est pas gentil. J'ai mon briquet dans mon sac, très bien. Pas gentil, Fox. Et 20h38, si on prend les deux premiers chiffres des dizaines, ça fait 23. Trag, aïe, aïe, ben arrête. La vaïké. Courage, Loïc, on est ensemble, hein. Ça va bien se passer, t'inquiète. Regarde. On a fait un petit feu, là, c'est bon. Il est vraiment en train de lire Pépou son livre des contes japonais, là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Là, on va vraiment y aller? Non, mais t'as littéralement le buisson qui est là. Et nous, on y va. Genre, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Nous, je serais là, j'aurais pris un bâton. Voilà, quoi. C'est trop sombre, je vois pas bien de loin, je vais prendre ma lanterne. Oui, mais tu verras pas mieux de près. Hein. Si tu dois mourir, tu mourras quand même. Prends la lanterne. Très bien. Utilise la lanterne. F. Ouais, elle éclaire à peu près, ouais. Allons vers le buisson qui bouge de ouf. Oh, le petit lapin, trop mignon. Bah si, on aime... Il dit, j'ai aucune raison de partir par là. Bah si, il y avait un petit lapin trop mignon. Bah si, pars du camp, tu vois, celui de lapin, fuis tant que tu peux, en fait. Je comprends rien, hein, celui-là. Faut tout qu'on lui explique. Étrange, le feu est éteint. Comment ça se fait? Parce que quelqu'un l'a éteint, bien sûr. Coucou Star Fox, comment ça va pas ici? Bah beaucoup, pour l'instant, pas trop mal, à peu près. Hein, on digère, quoi. Hein, c'est... Voilà. Est-ce qu'on peut le rallumer? Peut-être qu'il faut remettre une bûche, en fait. Je lui ai dit, bref, ils sont encore giga chauds, là. On souffle un peu, puis on y est, on est reparti, hein. Alors, utiliser. Bim, bim. Hop, utiliser. Hop là, on a refait un feu, nanana. Par contre, voilà, bien de la lumière. Je crois qu'elle s'était re-éteinte. J'allais dire, ça suffit, hein. Bon, on fait quoi du coup? On va se coucher? Ah, visiblement. C'était un projet hein, de se coucher, mais visiblement, c'est pas le but du jeu. Donc, je peux pas m'asseoir.
en tout cas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Michel ? Parce que tu veux pas que je parte, on est d'accord. Mais tu veux pas qu'on parte du camp. Tu veux que ça se passe mal. Est-ce qu'on doit trouver un truc ? Oh ! Une vieille clé rouillée. Qu'est-ce que c'est ? Bah, une vieille clé rouillée. Ah, faut que je me repose bien pour être au top de ma forme demain. Ouais. Telle est la voix. T'es sûr que telle est la voix, là ? Je coupe l'aile. Moi, je trouve pas que ça sent la voix, là. Mais il a picolé, quoi. Ok. Très bien. Oh, ils t'ont refermé la porte, après, si... pas les courants d'air, je comprends. Ok. Chaque couloir a son ambiance, hein. C'est... Non, mais c'est quoi le délire? À chaque fois qu'on se rapproche d'une porte, ça fait des... bruits trop bizarres. Allez, demain, on retrouve Flo à l'Aquabank. N'oubliez pas de vous inscrire pour la soirée Miss Elise des Campiques. Mister Camping auprès de Clara à l'accueil. C'était le message du monsieur qui s'occupe du camping. Allez savoir, Ben. Oh, ça a changé d'ambiance un coup. Suite un peu moins bourré, là. Alors là, il y a une clé. Mais j'ai une petite clé rouillée. Ah non, je l'ai plus. C'est con. On a vu la petite clé rouillée. Bon, examinons la poupée. Ceci est une poupée. Il n'y a pas du tout... Éteins la lumière. Il remet le panda. C'est glauque un peu. Oh, si peu. Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Oh. Quel rêve étrange. Mais il n'y a pas que le rêve qui est étrange. C'est quoi cette ambiance là ? Ah ! Je suis certain que c'était pas là avant que je m'endorme. Tu parles de quoi ? Du brouillard ou... Il n'y a plus notre feu là. Ok, plus la lumière. J'ai pas un fusil. Quoi ? J'ai pas pu emmener le micro-ondes, alors, hein ? Je cherche des éléments. Ouais, peut-être. Je sais pas, un bazooka, tu vois, genre la hache, tu vois, je pourrais prendre la hache. Très bien. Allons-y, allons dans le brouillard plein le camping. Nous allons nous inscrire à la liste... Mister Camping. Oh, cette ambiance là. Pas trop beaucoup ça. Et joli la cascade, c'est nous, vrai de vrai. Et qu'on aille à la cascade ? Ouais, allons à la cascade. Je devrais suivre les lanternes. En carte. J'ignorais que ce chemin mène à un village. Nous avons un village. Très bien. J'ai une lanterne, c'est vrai, c'est déjà ça. Avoir de la lumière dans un jeu d'horreur, c'est la base.
Après avoir suivi les lanternes dans les bois pendant environ une demi-heure, here I am. À quel moment il s'est dit que suivre les lanternes, c'était une bonne idée? Oui, parce que c'était pas là avant, certes. Non, il y a des bambous, là, il y aura peut-être des pandarous. Je crois pas que ce soit une bonne idée de me perdre dans les bois. Bah, s'il y a des pandarous, c'est ok. Non, en vrai, mettez pas de pandarous dans les jeux d'horreur, parce que ça va me traumatiser. Je suis psychologiquement pas prête. Voir un petit lapin, tu vois, c'est ok. Voir un pandarou, non, je pourrais pas. Je les verrai plus jamais pareil après. Déjà, pourquoi les lucioles sont vertes? Je crois pas que ce soit une bonne idée, mais il n'y a pas une bonne idée qu'il y ait des lucioles vertes là. Toi, tu t'as l'air des lanternes, bah moi je m'as l'air des lucioles. Je cherche à changer les idées. Ouf, je ne me contente que de parler, hein, tu sais. D'animer le stream, c'est mon métier. Vraiment pas aller voir les lucioles. C'est pas grave. Moi je dis c'est bien d'extérioriser. Regarde derrière la grande porte. Qui va sûrement se fermer dans notre dos parce que c'est scripté. Hein. Pourquoi toutes les portes sont fermées dans notre dos jusqu'à présent? Pourquoi celle-là serait différente? En tout cas, ceci est un village. Abandonné. Il n'y a plus de lanterne, non. Il n'y a pas des lucioles par contre, mais celles-ci elles étaient jaunes. Et les portes sont barricadées. Ça va avoir des bruits bizarres. C'était un village, c'est ça. Là, c'est pas barricadé. Où nous y allons, bien sûr. C'est un tableau. Ce que je trouve sympa en vrai dans le jeu, c'est que là on est vraiment en mode... Bah en fait on fait le détective quoi, tu sais... Oui, il y a la trame d'horreur forcément qui est là, donc tu fais les pires choix sur Terre, tu vois, tu te dis, bah oui, je vais aller dormir sur le camping où tout le monde disparaît. Oui, mais bon, voilà, c'est normal, tu vois, c'est obligé de te mettre en danger. Donc, porte est verrouillée, c'est triste. Est-ce que je peux utiliser la petite clé rouillée, tiens? Bon. Mais en vrai, j'aime bien ce côté, finalement, c'est ouvert, sans non plus, voilà, te perdre dans la forêt quand je peux pas y aller, il me le dit. Ou que c'est pas là où je suis censée aller. Mais malgré tout, il me dit pas ce que je cherche, tu vois. Juste, je me balade. Alors, il y a un fauteuil roulant, alors qu'il y a des escaliers. Ça marche moins bien quand même. Boîte à énigmes. Attends, c'est quoi l'énigme? Ranger. Mais c'est quoi l'énigme? Qu'est-ce que je dois faire? Je comprends pas. C'est quoi le... Je veux faire quoi? C'est le nouveau Rubik's Cube. Ok, donc ça, je peux juste les déplacer comme ça. Attends, alors. Je sais pas ce qu'il faut faire. Je comprends pas. Mais bon. Je pense avoir compris. Ah ouais? T'es fort. Moi, je n'ai pas compris. Ah là, il y a une... Genre, là, il y a une porte. Et je peux pas libérer la porte. Ah non, je dois mettre ça dans le trou? Ah ouais. Ouvrir. Un burin. Ça peut être une arme? Elle a à tout prix qui cherche à avoir une arme. Équipez-moi. S'il vous plaît, je vous en conjure. Donnez-moi une arme. Merci pour les GG, les premières énigmes du jeu. Oui, oui, oui. Vous savez, j'avais pas vu la trappe.
C'est peut-être la version du Rubik's Cube japonais, hein, c'est, je sais pas. Mais... En tout cas, là, il y a un autre endroit où on peut aller. Bonjour. C'est cosy chez vous. Il y a un tapis, sympa. Ok. Ouais, c'est cool. Là, il y a un bol, très bien. Au revoir. Là aussi, on peut y aller. Bonjour. C'est parti un peu précipitamment, non? Ouais, ils ont verrouillé l'autre porte. Okay. Est-ce que je peux grimper sur la chaise? C'est moi, je commence à fermer les yeux, là. Et c'est pas le moment de pioncer, hein. Je vais aller voir derrière. Ah, je peux pas y aller. Là, je me disais, il y a un truc verrouillé dans la maison. Il peut-être un peu y a fait. Ouais, ça, c'est pour le bétail. Je sais même pas à quoi il me servirait le bureau en fait. À part quoi, une arme bien sûr. En tout cas, je n'ai pas. J'ai pas l'air d'avoir d'action à faire sur des trucs là. Je... Gère. À buriner. Et tu burines quoi? De ce genre de situation. Hein? Oh, un village, enfin village, un petit parc un peu spécial, genre il y a une maison, on va être dans la maison. Oui, parce que je sens pas cet endroit, donc on ira en dernier. Un poisson, arrête de cligner des yeux. On fout, tu gardes les yeux ouverts. Je chie. Si t'es fatigué, c'est pas grave, chacun son problème. Le dernier. Ils clignent de plus en plus les yeux. Hein. Ils ont mis un soporifique ou pas dans le truc, puisque bon, je vois pas trop beaucoup le délire. Hein. Genre il se passe rien. Et là je vais y regretter, je vais dire c'est bon, je veux rien qui se passe en fait. Hein, tout compte fait, c'était bien quand il se passait rien. Si vous pouviez continuer comme ça, ce serait super. Pas à l'étage. Ah, il y avait un étage. J'ai pas vu. J'ai mon cerveau a peut-être fait genre de pas voir. Peut-être qu'il a senti l'entourloupe. Il y avait un étage. Ah. Ah oui, mais comment je fais pour aller à l'étage? Il y a une échelle, je crois, non? Ah non, pas dans cette maison-là. J'ai pas l'air de pouvoir y aller, en tout cas. Ah si, là, il y a une échelle. Mais... Je ne peux pas avoir d'interaction avec. Hein. Ça, c'est d'où on venait, ça, du coup. Non? Ah non, c'est peut-être l'autre bout, parce que j'ai pas souvenir de... Bah, de ça. Ça, je l'aurais vu, en fait. What? Même si je suis pas allée. Ça quand même trop calme en vrai. J'aime pas trop beaucoup ça. Le truc c'est que on sait pas la douille. C'est hanté, on sait juste qu'il y a des gens qui disparaissent. Ah, on venait de là. Très bien. Je crois que j'ai tourné tout de suite. En fait, j'ai fait le tour. Donc là, il y a que les maisons. Il y a ça, du coup, que j'ai pas fait, en fait. Cette maison centrale, là. Mais c'était verrouillé. Verrouillé. Ah! Ok.
C'était ça l'interaction en fait. C'est depuis le verrou. Attends, qu'est-ce que ça me disait? Utiliser. Utilise. Je peux pas. Elle rentre mais elle ne tourne pas. Ah. Est-ce que je peux le buriner? Ça n'a aucun sens. Oui, bah je sais pas, je trouve des solutions. Ça n'a aucun sens. Oui, bah merde, hein, et je j'innove. Ah, ça ouvrait quelque chose dans un bâtiment. Alors d'habitude, c'est vrai que je me dis, je fais attention au backseat. Mais là, j'admets que vu qu'on a fait tout le tour. Et visiblement, je suis passée devant. Je sais pas 100% non. De ce que j'ai compris, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui connaît le jeu. Il a l'air de bien connaître le jeu. Okay. Donc, voilà. Bien, il se passe bien. Parce que d'un côté, vous voulez aider, et après, ben, il faut aussi ou faut pas aider. Mais là, c'est bien, en vrai, merci. Là, pour le coup, ça m'a aidé. Parce que je n'ai pas vu. En fait, je vois même pas où c'est. Ouais, il y a tout qui pop tout seul. Parce que soit c'est une maison que j'ai pas vue. En fait, qu'on puisse pas avancer un peu plus vite, ça, c'est long quand même. Peut-être là, parce que ça me disait qu'il y avait des marches de... Il y a un coffre. C'est subtil quand même, hein. Ah là, il y a un coffre. Coffre verrouillé. Ok. Ils aiment bien les casse-têtes. Pas moi. Non, ça c'est bien là où c'est. Attends, qu'est-ce qu'il doit aller où? Lui il doit aller là, lui il doit aller là, lui il doit monter. Oh, j'aime pas ces trucs. Ah non, lui. Bah, ok. Attends, je suis habitée par le doute d'un coup là. Attends. Pas, j'essaie de mettre le coin dans le coin. Je peux pas, non, je peux pas y arriver comme ça. Rip. Attends. Merde. Attends, mais j'ai perdu le rythme. Mais non, le but c'était que vous continuez de monter comme ça en fait. Ouais, c'est ça le délire. Hop, 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 hop. Ouais, c'était sûrement pas comme ça qu'il fallait faire, mais. C'est en fait, je me dis, lui, il allait dans un coin. Lui, il va là. Lui, il va là. Et en fait, les coins, j'ai des doutes, là. Alors, attends. Ça, ça. Ah, je suis coincée. En fait, j'ai ça qui va là et lui doit aller ici. Oh, j'aime pas ça! Bon, lui, il faut impérativement qu'il redescende, de toute façon. Non, mais les casse-têtes, c'est pas pour moi, les casse-têtes. Bah, c'est simple, ça me casse la tête, en fait. C'est pas compliqué. Bon, de toute façon, ça, faut que je les fasse remonter, ces machins-là. J'adore ça. Oui, bah chacun son. Hein. J'ai l'impression que je suis revenue au début.
mais je vous jure. J'ai l'impression que je suis revenue au début. Alors, mon objectif, c'est... La ronde des carrés. Non, mais... Ah, c'est terrible. Bon, alors, lui, il faut qu'il aille... En fait, il faut que vous remontiez, là. Il faut que vous remontiez. Donc, à un moment donné... Après, des fois, c'est machin, tu sais... D'un coup, ça passe, tu vois, tu sais pas pourquoi. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas faire dans l'autre sens, en vrai. Parce que lui, là, je l'ai trop descendu. Ça va pas, ça. Mais je suis obligée d'en remonter un. Enfin, d'en descendre un pour faire remonter les autres. C'est un problème. Parce qu'en fait, si je, au début, je me suis dit, si je fais ça, genre, je fais une ronde. Ouais, on fait une ronde. Mais vous voyez, du coup, il est à l'envers. Bon, machin. Ça va pas ? Porte japonaise. Merci, Sinaev. Oui, je sais. Mais ça me répond pas à mon casse-tête pourri. Attendez, regardez. Lui, il va là. Lui, il va là. Voilà. Non, ça marche pas. En vrai, lui, il peut rester là. Parce qu'après, il a juste à remonter. Il est ok. Est-ce que je peux pas refaire un truc comme ça, mais dans l'autre sens? Pour tous les remettre bien. Ou presque. Attends. Attends, il y a peut-être un truc là. Pas du tout. Ah non, pas du tout. J'avais un truc là, regardez, il manque pas grand chose. Purée. Attends. Vas-y, mets-lui là. Ok. Lui. Il va là. Lui fait ça. Attends, je crois que j'ai un truc là. Oupinesse de pinesse gelée. Un truc bien, un truc bien, un truc bien. Mmh. Burette, une tissu. Feuille de couteau. Tiens. Merci pour les GG. Non, en vrai, ça va, j'ai pas mis tant de temps que ça, non? Attends. En vrai... Non, en vrai, j'ai mis quoi, 5 minutes, non, même pas. Ça va. Un bon 5 minutes, peut-être. Ça va, hein, pour quelqu'un qui aime pas les casse-têtes, en vrai, moi, je trouve ça ok. Peut-être vous allez dire, oui, enfin, normalement, 4 moves, t'aurais fini. Ouais, bah, gna d'abord. Okay. Moi, je fais ce que je veux. En plus, j'ai eu un tissu et une burette. C'est encore, c'était une cape, tu vois, c'était drôle. Bon. Une burette, ça aide à ouvrir les portes ou... Non, parce que c'est comme le burin. Hein. Je ne vais pas m'en servir, moi, ça. Ceci n'est pas la porte désirée. Il est réitéré ultérieurement. C'est celle-ci. Ah bah si, gna gna gna, alors on peut plus rien dire. Bah bien sûr. Utiliser la burette contient de l'huile. Ah, ça peut effectivement aider. Peut-être ça aidera à tourner la clé. Effectivement. Oh, bah, c'est génial. Tiens, regarde. Allons dans la maison qui était fermée à double tour. Ici, c'est une photo de gens qui sont presque heureux. Ça dépend lesquels. Lui, il y a une petite once de bonheur. C'est écrit joyeux anniversaire. Ça a l'air d'être très heureux de vieillir. Hein. Bon, rangeons la carte. Non, ferme pas les yeux. Soumile, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est la poupée vaudou maléfique. Oui, cette jolie poupée. Elle te ressemble comme deux gouttes d'eau. Merci, Kiko. Je vais l'appeler Soumile, comme moi. D'accord. Et on l'a fait. Et commencez pas, hein. Commencez pas. Il manque une poignée à la porte. Bon. Ouais, c'est un concept, en fait. Toutes les portes sont coulissantes, et les portes qui sont pas coulissantes, il n'y a pas le poignet. La porte ne s'ouvre pas. D'accord. Et celle-là? Très bien, c'est verrouillé.
Ah, si, elle a une poignée. Et celle-là aussi. Et ta carte d'anniversaire très festive. Ah oui, non mais je trouve que ça sentait la joie de vivre. Une burette, c'est pour huiler. Ouais, bah moi je t'avais bloqué. Et verrouillé. Oh, c'est con, hein. En tout cas, on n'a plus la petite clé. C'est verrouillé. Bah, bon, à un moment donné, laissez-moi sortir en fait. Et vos doux de mort. Manque une poignée, mais j'ai pas de poignée, on est d'accord. Moi j'ai un vieux burin fin. Un vieux bout de tissu. Tout est vieux en fait. Tout est vieux et usé. Merci Loïc pour la paillette. Ah. Attends, il y a un trou. Y'a quoi là-dedans? Si moi passer. Je peux pas utiliser le burin là-dessus? Genre, je fais un petit. Tu sais, je clique, ça l'ouvre, tu sais. Non? Non, mais je sais pas ce qu'il attend de moi, là. C'est verrouillé. Là, il n'y a pas de poignée. Et là-bas, c'est verrouillé. Il y a un angle où il est marqué utiliser. Ah ouais? Sur laquelle, du coup? Sur la première? Ah oui, là, j'ai vu. Examiner. Le loquet. Ah oui, d'accord. Ok. C'est par le loquet. Très bien. Coucou, Piti. Jamais je ferai ça, Ben. Je ne peux pas faire ça. Augmenter tes cookies, c'est pas possible. Tu veux un burin? Ah, ça a fait péter le loquet. Vous voyez, je vous avais parlé d'un truc à faire. Cling. Enfin, c'était. Voilà. Je vais te faire ça. Eh bien. Bon, ça va, sympa la déco. Ah, plutôt encadré. Ok. Merci pour ces 7 merveilleuses années. Ah. C'est un peu le décès. Mes condoléances. Nous sommes désolés de ne pas avoir pu déterminer ce qui est arrivé à votre fille. Pouvons-nous au moins l'incinérer avec sa poupée? Elle l'adorait. Elle voudrait sûrement l'avoir à ses côtés. Veuillez me pardonner, Monsieur Suzuki. Je crains que ce soit impossible. Ah, donc la poupée, elle est triste. Ainsi, la démo est terminée. Ah. En fait, c'est ça l'histoire. La poupée, elle est triste. Et du coup, elle veut retrouver la petite fille. Voilà, on a résolu le problème. Voilà, bah. On ne s'explique pas pourquoi les autres personnes disparaissent. Ou alors, elles se vengent sur tous les autres. Voilà. Oui, 7 ans, ça fait jeune. Hein. Malédiction de la poupée. T'en sors bien, ça te démo. Ouais, ça s'est arrêté à temps, en fait, tu vois. Ça te tease. Attention, là, ça va commencer à puer. Mais en fait, ça va. La démo, effectivement, ne te pousse pas à l'horreur. Voilà. Et bah après oui c'était court mais c'est le principe d'une démo pour le coup. Ça je suis pas trop étonnée, je m'attendais à ce que ce soit un peu court. Je m'attendais par contre à ce que ce soit un peu plus intense justement. Pour ce côté court en fait, vous allez frapper fort très vite. Et finalement non, il te laisse monter l'intrigue et voir un peu le gameplay. C'est à dire, attendez je vais baisser un peu le son parce que 5 sur l'accueil c'est un peu fort. Hop, on va faire genre ça. Voilà. C'est comment dire, c'est un peu... comme je disais, tu t'es vraiment le détective, quoi. Il t'aiguille, effectivement, tu peux pas aller te balader dans la forêt pour rien, ça n'a pas de sens, mais voilà, c'est toi qui vis le truc et t'es vraiment livré à toi-même, quoi. Voilà. Mais c'est pas encore, effectivement, un moment flippant, mais par contre, il y a moyen, effectivement, que ça score, parce que cette poupée, bon, voilà, pourquoi cette poupée aussi, parce que je suis en train de dire comme si c'était normal. Oui, bah la poupée, elle va retrouver la petite fille, et puis c'est tout. La poupée, c'est une poupée, hein. Donc, à un moment donné, la poupée n'est pas censée avoir des désirs, hein, à un moment donné. Bon, en tout cas, c'était Atari The Arrival. Et ça arrivera normalement l'année prochaine, si je me rappelle bien. Et ma foi, bah, l'intrigue et le gameplay, moi, j'ai bien aimé. Donc, je suis un peu curieuse, en vrai, de savoir qu'est-ce qui arrive par la suite.
Bon, après, curieux, c'est un grand mot. Hein. Si on peut rester sur un jeu qui mignon. Bon, ok, non, en vrai, ce serait sympa de savoir la suite maintenant qu'on a eu ça, qu'on s'est fait teaser. Moi, je veux savoir, je veux ramener la poupée chez elle. Comprends, pauvre petite poupée. La pauvre petite poupée. Rendez-vous dans un an. Mais je ne sais pas quand sortira ce jeu. Mais effectivement, c'est vrai qu'on le fait souvent vers Halloween, je dois.